Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Voilà. Le parc aquatique. Bonjour monsieur le facteur. Bonjour Caillou. Moi je suis le nouveau facteur. Oh c'est chouette. Papa, je suis le nouveau facteur, tiens. Ah bon c'est vrai? Tu as bien travaillé. Dis, papa, qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est une brochure pour un parc aquatique. C'est un peu comme une piscine, mais en plus grand. On pourrait y aller? Dis oui! Dis oui! Désolé, les enfants, c'est beaucoup trop loin. Mais j'aimerais bien que tu continues à faire le facteur et que tu apportes cette lettre à maman. D'accord, j'y vais. Caillou était triste de ne pas pouvoir aller au parc aquatique. Maman, regarde ce qu'on a reçu dans le courrier. Oh, c'est très beau. Il semble y avoir des choses vraiment chouettes dans ce parc. Est-ce qu'on peut y aller? Oh, s'il te plaît. Pas aujourd'hui, en tout cas. Ça prend du temps pour se rendre là-bas. Bon, c'est sûr qu'il fait très chaud. Et si on faisait un parc aquatique ici? Notre propre parc aquatique. Voyons un peu ce qu'ils offrent. Oh, tu as vu ce bel arc-en-ciel, Caillou? Nous aussi, on peut en avoir un. Tiens, regarde. Caillou était stupéfait de voir que maman pouvait faire un arc-en-ciel semblable à celui de la brochure. Mais comment est-ce que tu peux faire ça, maman? Oh, ce n'est pas compliqué. Et ce ne serait pas compliqué de créer notre parc aquatique. Est-ce que tu aimerais qu'on essaie? Oui, oui! Avancez, mais il va falloir garder les yeux fermés. Très bien, d'accord, les miens sont fermés. Moi aussi! Attention, vous pouvez ouvrir les yeux. On est arrivés! Mais où est-ce qu'on est? Vous êtes au parc aquatique de l'Arc-en-Ciel, vous voyez? Superbe! Regarde, Mousseline, le bel arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Mais si vous voulez entrer, d'abord il faut payer! D'accord, voilà, j'ai payé! Étant donné que vous êtes nos premiers visiteurs, vous allez recevoir un prix! Quel prix vont-ils recevoir? Le prix, c'est que papa va se faire inscrire rideau! Mousseline, va asperger papa. Mousseline aussi. On s'arrête les enfants. Papa a bien profité de son prix. Et maintenant, place au jeu. Il faut que tu pousses le ballon jusqu'à l'arbre là-bas en l'arrosant. Mousseline aussi. Attention, vas-y Mousseline. C'est ça, approche-toi du ballon. Tiens bien le tuyau. Tu as réussi! C'est à ton tour de recevoir un prix. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Tu as gagné le droit de te faire asperger d'eau! Caillou trouvait que maman avait eu une excellente idée. Le parc aquatique était un grand succès. La partie de pêche. Ce jour-là, Caillou se leva très tôt car il devait partir à la pêche avec papa et grand-père. Debout, Caillou, il ne faudrait pas faire attendre les poissons. Je vais attraper plein de poissons. Je l'espère, Caillou, mais tu sais, parfois même les bons pêcheurs n'en attrapent qu'un seul. Un gros alors, un très gros. On n'a pas besoin d'emporter à manger, maman. Je vais pêcher un poisson grand comme ça. Tu es vraiment certain que tu ne veux rien? Je voulais te préparer un bon sandwich au fromage. Miam! D'accord, je le prends. Tiens, bonjour, Caillou. Bonjour, grand-père. Ton chapeau
J'attrape toujours des poissons quand je porte ce chapeau-là. C'est pourquoi je l'appelle mon chapeau porte-chance. J'espère que tu auras plus de chance que la dernière fois. Tu ne nous avais rien rapporté à manger. Tu n'avais rien attrapé? Ne t'en fais pas. Même si on revient bredouille, je suis certain que l'on va passer une journée merveilleuse. Caillou était étonné de voir tout le matériel dont ils avaient besoin pour attraper un poisson. Regarde, la canne à pêche est aussi grande que moi. Oui, elle est parfaite, Caillou, juste à ta taille. Et ce chapeau porte-chance est pour toi. Maintenant, Caillou avait l'impression d'être un vrai pêcheur. Caillou remarqua que les plumes accrochées au mur ressemblaient à celles que grand-père portait à son chapeau. Regarde bien, Caillou, ça, ce sont des leurres. Et ça, ce sont des mouches. On s'en sert pour attirer les poissons et ensuite les attraper. Ça y est, j'ai acheté les appâts. Des vers de terre. Oui, les poissons adorent ça. Pour eux, c'est comme un bon sandwich au fromage. Vont pêcher eux aussi. Caillou pensa que les pêcheurs allaient attraper beaucoup de poissons avec un aussi gros bateau. Un poisson! Un poisson! Hé, attends, reviens! Ce n'est pas comme ça qu'on attrape un poisson, Caillou. Il faut te servir de ta canne à pêche. Quand est-ce que les poissons vont arriver? Chut, Caillou, il ne faut surtout pas leur faire peur. Si tu restes tranquille, je te parie que tu pourras entendre toutes sortes de bruits. Effectivement, plus Caillou écoutait, plus il entendait des bruits très intéressants. J'entends un oiseau. C'est une mouette. Elle a un cri strident. Qu'est-ce que tu entends encore? J'entends une libellule. Vous avez vu? Le monsieur a attrapé un poisson. Pourquoi il ne l'a pas gardé, papa? Il était trop petit, il l'a donc remis à l'eau. Comme ça, il va grandir et devenir un gros poisson. Au bout de quelques minutes, comme il n'avait toujours rien attrapé, Caillou commença à s'impatienter. Où sont les poissons? Écoute, quand on pêche, il faut être patient, Caillou. Très souvent, il faut que tu attendes. Regarde, tu vois comme grand-père est patient, lui. C'est un pêcheur qui a de l'expérience. Oh, oh, oh. Et si on mangeait? Ensuite, on pourrait faire une promenade. Caillou était fasciné par le bateau de pêche. Papa, c'est le bateau qu'on a vu tout à l'heure. Il vient par ici. Tu as raison. Et la pêche a été excellente à ce que je vois. Ils ont attrapé tous les poissons. C'est pour ça que nous, on n'en a pêché aucun. C'est possible. Ça sent mauvais. C'est une odeur qui plaît aux mouettes. Il a pris le poisson. Et les pêcheurs, où est-ce qu'ils emportent leurs poissons? Ils vont les apporter à la poissonnerie où les gens viendront les acheter pour les déguster ce soir. Caillou aussi aurait bien aimé pouvoir rapporter un poisson. Viens, papa, on va essayer d'en pêcher un. Tiens, vous voilà. Ça ne mord pas aujourd'hui. Je ne vais pas tarder à remballer ma canne à pêche. Est-ce qu'on peut rester encore un peu, s'il te plaît? D'accord, encore quelques minutes. Caillou essayait très fort de rester immobile quand tout à coup, il sentit quelque chose tirer le fil de sa canne à pêche. Papa! Papa! Je sens quelque chose!
D'accord, Caillou, vite, rembobine ta ligne. Caillou était très déçu de voir le poisson lui échapper. Écoute, de toute façon, il était un peu trop petit. On reviendra et on essaiera de le repêcher quand il sera plus gros. Caillou aimait bien pêcher avec papa et grand-père, même s'il n'avait rien attrapé cette fois-ci. Tout cet air frais m'a donné drôlement faim. J'ai très hâte de me mettre à table. Moi aussi, mais on n'a pas attrapé de poisson pour maman. Attendez, j'ai une idée. Je vous propose de faire un arrêt juste un peu plus loin. Tiens, maman. Merci, mon chéri. Il est pour toi, maman. Waouh, c'est un beau poisson. On l'a pêché à la poissonnerie. Ne révèle pas nos petits secrets de pêcheur. Oups, j'avais oublié. C'est le jour de la lessive. Bien sûr, mais avant j'aimerais que tu joues un peu avec moi. On pourrait faire la lessive ensemble. C'est pas un jeu ça. Non, mais ça va le devenir. D'abord, il va nous falloir un grand camion pour emporter les vêtements. Moi, je peux être le camion. C'est d'accord, monsieur le camion. J'aurais besoin que vous poussiez ce sac jusqu'au bas de l'escalier. Travail, monsieur le camion. Vroom. Maintenant, je voudrais que tous les vêtements de couleur soient mis là. Et c'est parti. Tout d'abord, il me faudrait quelque chose de violet. Ça y est, je l'ai trouvé. Caillou aimait bien jouer à trier les vêtements avec grand-mère. Très bien. Ensuite, il faut trouver le moyen de transporter le savon jusqu'à la machine. C'est moi qui vais le faire. Appuie sur le bouton pour la faire démarrer. À quoi veux-tu jouer maintenant, Caillou? Tu sais, moi, j'aime bien ce jeu, grand-mère. Moi aussi. Mais il faut attendre que les vêtements aient fini de prendre leur bain moussant. Caillou trouvait cela amusant que les vêtements prennent un bain moussant comme lui dans la baignoire. J'ai gagné! Bravo, Caillou, tu as très bien joué. Tu sais quoi? La lessive doit être finie maintenant. Viens, descendons voir au sous-sol. Monsieur le camion à la rescousse, le travail n'est pas terminé. Les vêtements sont lavés, mais il faut les sécher maintenant. Monsieur le camion peut le faire. Et voilà. Fermez la porte, s'il vous plaît, monsieur le camion. Appuie sur le bouton. La sonnerie se déclenchera dès que les vêtements seront secs. Il faudra bien écouter. Grand-mère, ça y est, ça sonne. Regarde-moi, grand-mère. Je vais mettre la chemise de grand-père. Dis-moi, Caillou, tu sais comment on fait pour plier les vêtements? Ah, c'est très bien. Caillou était fier de plier les vêtements avec grand-mère. Où est passée la deuxième chaussette rouge? Et d'abord, je les place soigneusement l'un sur l'autre. Ensuite, je les roule pour en faire une boule. D'abord, je les place soigneusement l'un sur l'autre. Ensuite, je les roule pour en faire une boule. Maman, j'ai aidé grand-mère à faire la lessive. C'est formidable. Est-ce que je pourrais t'aider à laver le linge à la maison? Entendu. D'ailleurs, je pense que nous allons commencer par cette chemise. Oups. La nouvelle voiture. Oh là là, la voiture faisait du bruit comme si elle avait un gros rhume.
La voiture fait un drôle de bruit. Est-ce qu'elle est cassée? Il serait temps de l'emmener au garage. Il y a quelques petites choses à réparer. Hey, j'ai une idée. Que diriez-vous d'aller regarder des voitures neuves aujourd'hui? C'était la première fois que Caillou voyait tant de voitures rutilantes. Moi, j'aime les voitures rouges comme celle-là. Bravo, jeune homme. C'est un très bon choix. Oh, nous ne faisons que regarder. Vous pouvez peut-être nous montrer plusieurs modèles? Mais avec plaisir. Venez, suivez-moi. Dites-moi, quel genre de voiture vous cherchez? Une voiture qui n'est pas cassée. Portière ouverte. Portière ouverte. Caillou était surpris de voir que les voitures pouvaient parler. Portière ouverte. Portière ouverte. Portière ouverte. Je pense que vous faites déjà assez de bruit dans la voiture tous les deux. Est-ce qu'on peut aller voir celle-là là-bas? C'est un modèle spécial. Je vais vous le montrer. Regardez, on dirait qu'on est dans une petite maison. Oui, c'est vrai. Elle est juste à ta taille, Caillou. Caillou aimait beaucoup regarder les différents modèles de voitures. Elle n'a pas de toit? Ça, c'est une voiture décapotable, Caillou. Le toit se replie à l'arrière. Voudriez-vous que je vous emmène faire un petit tour dans celle-là? Et si il se met à pleuvoir? Très bonne question. Regarde ce qui se passe quand j'appuie sur ce bouton. Félicitations, les pneus sont excellents. Voici une liste des prix. Appelez-moi si une voiture vous intéresse. Au plaisir de vous servir. Ça alors, une voiture neuve, ça coûte vraiment très cher. Est-ce qu'on pourrait acheter la voiture sans toi, maman? Peut-être l'année prochaine, Caillou. Je te parie que si on fait réparer notre voiture, elle sera presque comme neuve. Je vais rappeler notre garagiste. Caillou était content de voir la voiture revenir du garage. Ça y est, notre voiture est réparée. Oui, elle ne fait plus de bruit. Oh. Quelque chose ne va pas, Caillou? Maintenant, c'est ma voiture qui est cassée. Je sens qu'elle aussi a besoin d'une réparation. Merci beaucoup, papa. Une excellente nageuse. Oui, un très gros poisson. Caillou! Moi aussi! La température de l'eau est parfaite. Maman, regarde! Il y a trop de monde dans la piscine. Moi, je n'ai pas assez de place pour nager. C'est vrai, Caillou a raison. Bon, qui veut aller à la piscine publique? Moi aussi! On viendra vous rejoindre tout à l'heure, Caillou. Attention, tu as fait tomber ta serviette. Merci, je l'avais pas vue. C'était la première fois que Caillou voyait un fauteuil roulant de si près. Maman, est-ce que tu crois que c'est une grande poussette, ça? Non, Caillou, on appelle ça un fauteuil roulant. La petite fille l'utilise parce qu'elle ne peut pas marcher comme toi et moi. Et si on allait nager? D'accord, on y va. Caillou vit la petite fille nager sous l'eau. Il décida de l'imiter. Maman, il y a plein d'eau qui est rentrée dans mon nez. Oh, ce n'est pas très grave, Caillou. Salut, je m'appelle Camille, et toi? Et moi, Caillou. On dirait que t'es un poisson quand tu nages. C'est vrai, tu as raison. Et toi, est-ce que tu sais nager sous l'eau? Non, ça me chatouille trop le nez. Et quand tu prends un bain, est-ce que tu mets ton visage dans l'eau pour faire des bulles? Oh oui, ça je sais le faire. Regarde-moi. Bravo, c'est très bien, Caillou.
bouge pas. Je vais te montrer ce que je peux faire. Et maintenant, c'est à mon tour. Tu es un très bon nageur, Caillou. Regarde-moi, maman. Allez, viens, nage vers moi. Caillou avait enfin appris à nager sous l'eau. Est-ce que tu m'as vu, maman? J'ai réussi à nager sous l'eau. Je savais que tu y arriverais, Caillou. Tu as réussi. On est deux poissons dans l'eau maintenant. Il faut que je m'en aille. Au revoir, Caillou. Au revoir. Est-ce que tu as vu, papa? Ça y est, je peux nager sous l'eau. Bien sûr que je t'ai vu, Caillou. Tu sais nager comme les grands maintenant. Hé, Camille, c'était chouette de nager avec toi. Est-ce que tu vas revenir à la piscine demain? Oui, je viens très souvent. Tiens, j'aimerais te donner ça, Caillou. Merci, Camille. Ça t'aidera pour nager sous l'eau. Au revoir, à demain. Cette petite Camille a l'air vraiment très gentille. Et c'est une excellente nageuse. Je vais retourner nager et je vais essayer de devenir aussi bon qu'elle. Ma maman, elle est formidable. Elle m'emmène dans des endroits amusants, comme à la plage. Maman dit que c'est chouette de faire des choses nouvelles. Maman aime que je fasse son portrait. Il est vraiment magnifique, Caillou. Et moi, j'aime quand elle vient me border le soir.